Bienvenue à ma chaîne électronique sans peine. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer les valeurs des résistances de polarisation d'un transistor bipolaire tout en lui assurant un point de repos situé au milieu de sa droite de charge statique. Le schéma de la figure 1 présente un type de polarisation d'un transistor bipolaire de type NPN avec ses éléments de polarisation, c'est-à-dire ses résistances, la résistance de l'émetteur notée RE, la résistance de collecteur notée RC et ses deux résistances de base notées respectivement RB1 et RB2. L'ensemble, transistor et résistance de polarisation, sont alimentés par une pile ou un générateur de tension continue de valeur VCC. Les trois pattes du transistor, à savoir le collecteur, la base et l'émetteur, sont notées par les lettres C, B et E. Quand le circuit est alimenté par VCC, un courant IP traverse la résistance RB2. Un courant IB pénètre à la base du transistor et au niveau du collecteur, on va trouver un courant IC égal à bêta IB d'après l'effet transistor où bêta est le gain en courant du transistor. Toujours d'après l'effet du transistor, le courant sortant de l'émetteur du transistor IE, il sera égal à IC plus IB. Comme IC est très grand devant IB, puisque IC c'est bêta IB et bêta il est de grande valeur, IE, il sera à peu près égal au courant IC. La résistance RB1, elle est traversée par un courant venant de l'alimentation et qui est égal, en appliquant ici la loi des nœuds, égal à IP plus IB. M représente la masse du circuit. Toutes les tensions continues aux différents nœuds du circuit sont mesurées par rapport à cette masse. Notre but ici est de déterminer les valeurs des résistances de polarisation, à savoir la valeur de RE, la valeur de RC, la valeur de RB1 et la valeur de RB2 pour un transistor choisi et pour une alimentation continue choisie. Pour cela, faisons ce petit rappel sur la droite de charge statique du transistor. Pour pouvoir tracer la droite de charge statique du transistor, appliquons la loi des mailles au niveau de cette maille. On a VEM plus VCE plus la tension aux bornes de RC égale à la tension d'alimentation VCC. Ou VEM c'est RE fois le courant IE, sachant que IE il est à peu près égal à IC, donc nous pouvons écrire VEM égale RE IC. VCE est la tension entre le collecteur et l'émetteur du transistor. Et V indice RC est la résistance et la tension aux bornes de la résistance RC. Et elle est égale à RC fois IC. Nous obtenons par conséquent l'expression de l'équation 1, VCC égale VE1 plus VCE plus RC IC. C'est-à-dire, en remplaçant VE1 par REIE, VCE par sa valeur, RC par son expression, RC IC par son expression, et en remplaçant IE par IC, on va se retrouver avec l'expression VCC égale RE plus RC le tout fois IC plus VCE de la forme
constante égale une autre constante qui multiplie y plus x. C'est-à-dire, on se retrouve avec une expression ou bien une équation d'une droite. Pour tracer une droite, il suffit de connaître les coordonnées xy, ici BCE, IC, de deux points. Pour cela, nous allons chercher la valeur de BCE pour un IC égal à 0 et la valeur de IC pour un BCE égal à 0 pour pouvoir tracer cette droite. Maintenant, d'après cette expression, si IC égale à 0, nous allons le trouver avec un BCE égal à BCC. Du point de vue fonctionnement, si IC égale à 0, le transistor est dit bloqué et la valeur de VCE, de la variable VCE, qui est égale à VCC, elle correspond à la tension de VCE de blocage du transistor. Si VCE égale à 0, c'est-à-dire il n'y a aucune chute de tension entre le collecteur et l'émetteur, c'est-à-dire que le collecteur et l'émetteur forment le même point, alors le transistor dans ce cas est dit transistor saturé et le courant obtenu est dit courant de saturation IC de saturation. Ce courant, il est égal quand VCE égale à 0 à VCC divisé par RE plus RC. Les deux points que nous avons obtenus sont le premier point de coordonnées VCE 0 et le deuxième point de coordonnées 0 IC de saturation. Donc, on peut facilement tracer la droite de charge statique. Maintenant, comme nous le savons tous, le point de repos noté Q du transistor est situé sur cette droite de charge statique. Le point de repos Q du transistor a deux coordonnées de valeur VCEQ et ICQ. Pour un bon fonctionnement de transistor, en régime bien sûr linéaire, nous désirons que le point de repos, il est très souhaitable que le point de repos O soit au milieu de la droite de charge statique pour avoir une excursion maximale du signal de sortie, crête à crête, égale à BCE de blocage qui est dans ce cas égal à l'alimentation continue. Donc, on peut dire qu'un transistor est correctement polarisé si son point de repos Q est situé au milieu de la droite de charge statique, c'est-à-dire que son VCEQ est égal à VCE de blocage divisé par 2. Quand VCE de blocage il est égal à VCC, alors il faut que son VCEQ soit égal à la valeur de l'alimentation VCC divisé par 2. Avant de vous montrer la méthode de calcul des résistances de polarisation du transistor, cherchons la relation qui existe entre RC et RE pour un point de repos Q situé au milieu de la droite de charge statique. Pour cela, prenons VEM égale à VCC, où A c'est une constante inférieure à 1. Qu'est-ce que ça veut dire ceci? Ceci veut dire qu'on veut un potentiel entre l'émetteur et la masse égal à une partie de l'alimentation. Et prenons aussi RC égale une constante petit b qui multiplie R. Nous avons déjà trouvé l'équation de charge statique et qui est VCC égale VEM plus VCE plus SC IC. On veut un point de repos Q de coordonnées VCEQ et ICQ situé au milieu de la droite de charge statique,
c'est-à-dire que son BCEQ égale à BCC divisé par 2. En remplaçant dans l'équation 1, on trouve VCC égale VEM plus BCEQ plus RC et CQ, parce que le point de repos se situe sur la droite et donc ses coordonnées, vérifie l'équation de la droite de charge statique. VEM, nous l'avons posé égal à petit a VCC. On veut que le point de repos soit au milieu de la droite de charge statique, c'est-à-dire que VCEQ égale VCC divisé par 2. Et nous avons pris encore RC égale B fois RE. Maintenant RE IC, c'est quoi? C'est VEM, et VEM, c'est AVCC. Donc, on va se retrouver avec VCC égale AVCC, plus VCC divisé par 2, plus A, plus B, qui multiplie A, voire VCC. On simplifie les VCC de chaque terme, et on va se retrouver avec A, facteur de 1 plus B, égale à 1/2, ce qui nous donne B égale 1 sur 2A moins 1. Par conséquent, nous remarquons que si, en faisant une application numérique, que si A, si nous prenons VEM égale VCC divisé par 10, c'est-à-dire petit a égale 0,1, alors en utilisant cette expression, on va se trouver avec B égale à 4. Conclusion. Si on veut un VEM égal à 0,1 VCC, alors il faut que RC égale 4 fois RE. Dans ces conditions, le point de repos Q sera au milieu de la droite de charge statique. Une fois que nous avons trouvé la relation qui existe entre la résistance du collecteur RC et la résistance de l'émetteur RE, à savoir RC égale 4 fois RE, 4 fois RE, quand VEM égale à 0,1 VCC, pour un point de repos situé au milieu de la droite de charge statique, je vais vous montrer la méthode à utiliser pour le calcul des résistances de polarisation RE, RC, RB, RB1 et RB2. Pour cela, dans toute conception, il faut choisir la valeur de l'alimentation, c'est-à-dire l'exclusion maximale du signal de sortie que vous voulez avoir. Deuxièmement, il faut faire un choix sur le transistor. Choisir un transistor T donné, c'est-à-dire connaître sa valeur de ICQ et son gain en courant bêta. Donc, il faut poser VEM égale 0,1 VCC, tirer RE en appliquant la loi d'Ohm. RE, c'est VEM divisé par IE, sachant que IE a une valeur égale à UEQ et UEQ égale à ICQ, donc on aura RE égale VEM divisé par ICQ. ICQ connu, VEM nous l'avons posé, donc RE, elle est facilement calculée. Ensuite, il suffit de calculer RC, de poser RC égale 4 fois RE pour pouvoir calculer RC. Donc, RC égale 4 fois RE. Prendre IP égale à 10 fois le courant, c'est-à-dire un courant IP très supérieur à IB, on veut que le courant venant de l'alimentation et traversant cette branche de résistance traverse les résistances RB1 et RB2, c'est-à-dire un courant qui est IP très supérieur à IB, et donc IP égale 10 fois IB. IB a une valeur qui est égale à IBQ, et IBQ est égal à ICQ divisé par bêta.
Donc, il faut prendre un IP égale 10 IBQ égale 10 fois ICQ divisé par bêta. Bêta connu, ICQ connu, donc IP, il sera facilement calculé. Puis, calculer la tension VBM. À quoi est égale cette tension? Elle est égale à la tension VBM que nous avons imposée plus la tension VBE. Si le transistor est en silicium, VBE, elle est égale à 0,6. S'il est en germanium, elle sera égale à 0,3. Donc, VBM égale à VE1 plus VBEQ. Donc, VBEQ connu, VEM nous l'avons imposé, donc elle est connue. Donc, VBM, il est facilement connu. Maintenant, si VBM, il est connu, si IP, il est connu, en appliquant la loi d'Ohm, on peut facilement calculer la résistance RB2, à savoir RB2 égale VBM que nous avons calculé divisé par IP qui est égal à 10 fois IBQ. Donc, jusqu'à présent, nous avons calculé RE, nous avons calculé RC, nous avons calculé RB, il nous reste à calculer RB1. RB1, nous allons appliquer ici la loi d'Ohm, elle est égale à la chute de tension au bord de cette résistance divisée par ce courant qui est égal en appliquant la loi des nœuds à IP plus IB. Donc RB1, c'est quoi? C'est VCM moins VBM que nous avons, c'est VCC moins VBM que nous avons déjà calculé divisé par IP plus IB. Donc, la dernière résistance RB1, c'est quoi? C'est VCC moins VBM divisé par IP plus IBQ, c'est-à-dire VCC moins VBM divisé par IP plus IP divisé par 10, puisque nous avons dit que IP il est très très supérieur à IBQ. Donc, maintenant, faisons un petit exemple de conception. Donc, par exemple, nous avons choisi une alimentation continue qui VCC égale à 6 volts. Nous avons choisi un transistor qui est le BC550. Son ICQ est, il est égal à 1,6 mA et son gain en courant bêta il est égal à 132,5. En appliquant la méthode de conception, donc on doit imposer ou bien poser VEM égale à 0,1 VCC. En faisant une application numérique, c'est 0,1 x 6, on va se trouver avec 0,6 volts. RE, elle sera égale à 0,6 divisé par le courant ICQ, qui est égal à 1,6 mA, et donc on va se trouver avec une valeur de RE égale à 375. RC, pour que le point de repos soit au milieu de la droite de charge statique, il faut qu'elle ait une valeur égale à 4 fois RE, c'est-à-dire 4 fois 375 ohms, c'est-à-dire 1,5 kg. En suivant toujours la méthode de conception, IP, c'est 10 fois IB, c'est 10 fois ICQ divisé par la valeur de bêta, donc c'est 10 fois 1,6 10 moins 3 divisé par 132,5 et on va se trouver avec une valeur de IP égale à 12 10 puissance moins 5 ampères. VBM, c'est VE1 plus VBEQ. VEM, nous l'avons trouvé égal à 0,6. Le transistor BC550, c'est un transistor en silicium. Donc, son VBEQ, elle est égale à 0,6. Et par conséquent, VBM, elle sera égale à 1,2 volts. RB2, elle est égale à VBM divisé par IP. VBM, elle est égale à 1,2 volts. Et IP, c'est 12, 10 puissance moins 5, moins 5 ampères. Et donc, la valeur de RB2, en faisant une application numérique, nous sommes est égale à 10 kΩ. Maintenant, la dernière résistance RB1, elle est égale à VCC moins VBM divisé par IP plus IBQ. Donc, elle est égale à 6 moins 1,2 divisé par 12 plus 1,2 facteur de 10 puissance moins 5. Et donc, on va se trouver avec une valeur qui est égale à 36,36 kΩ. Conclusion. En suivant la méthode décrite dans cette vidéo, si on choisit une alimentation continue de 6 volts, si on choisit un BC550
Et si on veut un point de repos situé au milieu de la droite de charge statique, c'est-à-dire VCEQ égale à VCC divisé par 2, alors il nous faut une résistance RE de 375 ohms, une résistance RC de 1,5 kg, une résistance RB2 de 10 kg et une résistance RB1 de 36,36 kΩ. Et en même temps, les tensions continues aux différents nœuds de montage, VEM, elle est égale à 0,6, VBM, elle est égale à 0,6 plus 0,6, c'est-à-dire 1,2, et VCM, c'est quoi? C'est la tension en appliquant ici la loi des mailles, c'est VEM plus VCEQ, VEM c'est 0,6 et VCE c'est VCC divisé par 2 puisque le point de repos il est situé au milieu de la droite de charge statique, c'est-à-dire on va se trouver avec une tension VCM égale à 3,6 volts. Pour vérifier le bien fondé de cette méthode de conception, simulons le circuit sous l'environnement électronique Workbench. Mais avant cela, réalisons le circuit. Donc, j'ai besoin d'un transistor de type NPN. J'ai besoin des résistances de polarisation, donc 4 résistances de polarisation. Donc je vais, donc la résistance elle est horizontale, donc je vais faire une rotation de cette résistance. Puis je vais la copier et donc j'ai mes 4 résistances. Une résistance RE, la résistance RC, la résistance RB1 et la résistance RB2. D'accord. Donc ici j'ai la résistance RE. RE de valeur, nous avons trouvé 375 ohms. La résistance RC de valeur 1,5 kΩ. La résistance RB2 de valeur 10 kg. Et la résistance RB1 de valeur 36,36 kΩ. Donc je vais faire les connexions. Donc j'ai besoin ici d'un nœud, un nœud de connexion. C'est très facile de réaliser un test circuit sous l'environnement électronique Workbench. Et à chaque fois, je sauvegarde mon circuit. Donc j'ai besoin des masses, les masses, deux masses. Donc je peux faire une deuxième et une troisième pour l'alimentation continue. Donc, je dois aligner mes deux masses en respectant bien sûr les règles de dessin d'un schéma électronique. Donc, j'ai besoin encore d'un nœud de connexion que je vais placer par exemple ici. Et enfin, je dois placer une pile. Deux valeurs. 6 volts. Voilà mon circuit, je l'ai réalisé. Donc il me reste uniquement à choisir le transistor. Donc pour notre cas, c'est le transistor BC550. Donc c'est
le BC550, je vais le chercher. Donc, le voici. D'accord. Je sauvegarde mon schéma électrique. Donc, jusque là, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons, en utilisant la méthode de conception, obtenu les différentes valeurs de résistance, de polarisation pour un choix d'un transistor qui est le BC550 et d'une alimentation continue de 6 volts, tout en fixant un point de repos du transistor BC550 au milieu de la droite de charge statique. Donc, en théorie ou bien lors de la conception, nous avons trouvé un VEM égal à 0,6, un VBM égal à 1,2 volts et un VCM égal à 0,6 plus VCC divisé par 2, c'est-à-dire 3, c'est-à-dire une valeur de VCM égale à 3,6 volts. Donc, je vais placer des nœuds ici, des nœuds de connexion au niveau du collecteur et au niveau de l'émetteur. Donc, un nœud. Donc là, il n'est pas connecté. Donc, je dois déplacer cette résistance, l'enlever, mais enlever toute cette connexion. Oui. Donc, je vais le déplacer ici. Je fais la connexion là, puis ici. Un autre nœud de connexion. Il n'est pas connecté. Donc, j'enlève la connexion, je le déplace, d'accord, je le déplace là, et je connecte la résistance à ce nœud, puis l'émetteur, donc je l'ai effacé, donc voici mon nœud, une connexion, puis une autre. D'accord, donc ici j'ai le collecteur, ici l'émetteur et ici la base. Nous allons vérifier est-ce que les tensions pratiques sont les mêmes que celles que nous avons fixées ou obtenues lors de la conception de notre exemple lorsque VCC égale à 6 volts et lorsque le transistor est le BC550. Pour cela, je dois utiliser un voltmètre. Donc ici j'ai un multimètre. Voici le multimètre. Bon, c'est un multimètre. D'accord. Donc, là, je peux l'utiliser comme ampèremètre, comme voltmètre, comme ohmmètre, etc. D'accord. Donc, ça, c'est la masse et ça, c'est le plus. Donc, j'ai besoin d'une masse. La masse, je l'aligne avec les autres masses puisque c'est une masse qui est fractionnée. D'accord. Et je vais mesurer maintenant les différentes tensions. Donc, commençons par la tension VEM. Donc, la tension VEM. Donc, je vais brancher mon voltmètre continu. D'accord. Au niveau, c'est-à-dire au point de l'émetteur. Et j'actionne ou bien je mets en marche le logiciel électronique Workbench. Donc, qu'est-ce que je remarque? Mon résultat, le résultat que j'ai obtenu, d'accord, donc c'est 604,3 millivolts, c'est-à-dire 0,6 volts, ce que nous avons, et c'est la valeur que nous avons fixée lors de la conception. Maintenant, je vais mesurer la tension VBM. La tension VBM, c'est celle que nous avons mesurée plus 0,6. D'accord, donc la preuve, la voici. D'accord, donc c'est 1,24 volts. Donc, elle est égale à la valeur que nous avons obtenue lors de la conception. Maintenant, nous allons voir est-ce que la tension VC par rapport à la masse, elle est égale à 0,6 plus 3, c'est-à-dire 3,6 volts. C'est-à-dire, est-ce que le point de repos de notre transistor et bien au milieu de la droite de charge statique ou non. Donc pour cela, faisons la mesure. Donc regardez, on trouve une tension BCM égale à 3,59 volts, c'est-à-dire
une tension VC EQ égale à 3,6 moins 0,6, c'est-à-dire égale à 3, et qui est égale à VCC divisé par 2. Maintenant, notre transistor est prêt à fonctionner pour réaliser la fonction d'électronique amplification. Donc, il peut être utilisé pour réaliser un montage émetteur commun, un montage base commune ou un montage collecteur commun. Commençons par le premier montage, c'est-à-dire montage amplificateur émetteur commun. Pour un montage émetteur commun, le signal d'entrée est appliqué à la base du transistor et le signal de sortie est obtenu au niveau du collecteur du transistor. C'est-à-dire que l'émetteur, il est commun à l'entrée et en même temps à la sortie. Pour cela, réalisons ce montage. Donc, j'ai besoin de condensateurs de liaison. Donc, bien sûr, électrolytique. Donc, 3 condensateurs électrolytiques. Un troisième ici. Bon, je vais faire les connexions. Un là. Et, par exemple, celui-ci, donc je vais faire une rotation. Et je vais le relier, le mettre en parallèle avec la résistance RE. Donc j'ai besoin de 3 masses. Une pour le générateur d'entrée. Une pour la deuxième pour ce condensateur. Et peut-être une troisième pour l'oscilloscope. Donc, une masse ici. Donc, je vais l'aligner avec les deux autres masses. C'est une masse fractionnée. D'accord. J'ai besoin d'un GBF. Donc, le GBF, le voici. Et je vais avoir besoin d'un oscilloscope. Donc, le générateur, il se présente sous cette forme. Donc, il me permet de générer des signaux sinusoïdaux, des signaux triangulaires ou bien des signaux carrés. Donc, moi, je veux injecter à l'entrée un signal sinusoïdal. De fréquence, par exemple, 1 kHz. Donc, la fréquence, elle est égale à 1 kHz. Donc, ici, c'est la fréquence Vmax, c'est-à-dire V crête à crête divisé par 2. Donc, je vais prendre, par exemple, Vmax égale à 5 millivolts crête à crête, c'est-à-dire 5 millivolts, c'est-à-dire une tension crête à crête qui est égale à 10 millivolts. Donc, je vais injecter le signal à l'entrée de mon circuit. Donc, j'ai besoin d'une masse ici. D'accord. Donc, ça, c'est pour l'entrée et pour la sortie. Donc, j'ai CH1 et CH2. Donc, je peux placer une masse à l'oscilloscope, je peux ne pas la placer. Donc, je vais visualiser au début le signal d'entrée. Donc, je vais placer ici un nœud de connexion. Donc, l'oscilloscope va me visualiser le signal d'entrée. Donc, expand pour avoir, pour élargir. Là. Donc, regardez. Donc, en position, j'ai ici la position GND de la chaîne 1, la position AC et la position DC. Donc, ça, c'est la sensibilité verticale. Et ici, j'ai la sensibilité
horizontal. Donc je vais prendre un calibre dont je vais le mettre en position AC, puisque mon signe il est alternatif, donc une valeur très faible de la base de ton horizontale, par exemple 5 millivolts par division. Si je veux voir le signal, je dois faire fonctionner Electronic Workbench. Donc ici j'ai le signal regardé d'amplitude, deux carreaux, deux divisions ici sur la verticale, c'est-à-dire 2 x 5, c'est 10 millivolts, crête à crête, c'est ce que j'ai fixé. D'accord? Bon, ici, pour voir le signal, il suffit de choisir la base de ton. D'accord? Le calibre de la base de ton horizontale correctement. D'accord? Et j'ai ici, crête à crête, 10 millivolts, crête à crête. Ça, c'est pour CH1. La même chose, je vais visualiser le signal de sortie. D'accord? Donc, l'entrée du signal, donc l'entrée c'est par la base, la sortie par le collecteur, donc il s'agit d'un montage émetteur commun. Maintenant, je dois choisir les valeurs des condensateurs C1, C2, par exemple, et ici CE. D'accord? Maintenant, pour le choix de ce condensateur, puisque ces condensateurs jouent le rôle de court-circuit en dynamique, un condensateur, on sait qu'il a une impédance qui est égale à 1 sur J, C oméga ou oméga égale 2 pi f, donc le module de son impédance c'est 1 sur 2 fois C fois 1 sur J C oméga, donc c'est 1 sur C oméga, donc c'est 1 sur oméga égale 2 pi f, donc 1 sur 2 pi f fois C. Je veux que le condensateur ici en dynamique court-circuit cette résistance, donc il faut qu'il soit, son impédance soit très très faible devant la résistance RE. Et dans le choix de ce condensateur, donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut que 1 sur C fois 2 pi F ou F que j'ai choisi c'est 1 kHz, il faut que ça soit très inférieur devant 375 ohms. Pour les deux autres condensateurs de liaison, ici, ce condensateur par exemple C1 et l'autre C2, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que leur impédance, 1 sur le module de leur impédance, 1 sur C oméga, 1 sur C fois 2 pi F, tend vers 0, c'est-à-dire pour qu'ils jouent le rôle de court-circuit. Donc, pour un F donné, qu'est-ce qu'il faut puisque C se trouve au niveau du dénominateur, il faut choisir un C qui est très important, par exemple, une valeur de 100 micro. Ici, la même chose, par exemple, 100 micro. Et là, sans faire les calculs, par exemple, je vais choisir la même valeur du condensateur. Mais si ça ne marche pas, je dois utiliser la relation, c'est-à-dire 1 sur C oméga, doit être très inférieur devant 375 ohms, et donc avoir une valeur de ce condensateur. Donc, je vais le choisir égal à 100 microfarads. D'accord? Et maintenant, je vais voir le fonctionnement de mon montage. Est-ce qu'il s'agit bien d'un montage émetteur commun? On sait qu'un montage émetteur commun a un gain en tension AV important. Et il introduit un déphasage de 180 degrés, c'est-à-dire que les deux signaux d'entrée et de sortie sont en opposition de phase. Donc je vais actionner l'Electronic Workbench et je vais visualiser les deux signaux. Je vais le mettre en AC, d'accord, puis je stoppe la simulation. Qu'est-ce que je vais obtenir? Voici les deux signaux. Le premier, ce que vous voyez ici, c'est le signal d'entrée. Il a une amplitude qui est égale à crête 2 fois
le calibre qui est égal à 5 millivolts par division, donc 2 fois 5, c'est 10 millivolts crête à crête. Et le signal que vous voyez ici, c'est le signal de sortie qui est amplifié. Seulement, la chaîne 2, la sensibilité verticale, elle est sur un calibre, elle est positionnée sur un calibre très, très, très grand. Donc, diminuons légèrement ce calibre. D'accord? Donc, regardez. D'accord? Ici, on voit que l'amplitude du signal de sortie, elle est à peu près égale à 1, 2, 3, 4, à peu près. 4, disons que c'est 4,5. 4,5 fois 200 millivolts crête à crête, c'est-à-dire 900 millivolts crête à crête. Maintenant, si on veut calculer le gain en tension de l'amplificateur, le gain en tension de l'amplificateur AV, il est égal à VS sur VE. VS, nous avons trouvé 900 millivolts crête à crête. Nous avons injecté à l'entrée un signal d'amplitude 10 millivolts crête à crête. Donc, le gain en tension, il est égal à 90 quand la fréquence de l'amplificateur, quand la fréquence du signal d'entrée, elle est égale à 1 kHz. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les deux signaux sont en opposition de phase, ce qui vérifie théoriquement ce que on peut trouver comme expression du gain où AB elle est égale à moins bêta fois la charge SC sur H11. Le moins, donc, nous avons vu qu'il indique que les deux signaux sont en opposition de phase. Donc ici, j'ai réalisé un montage collecteur commun, puisque le signal d'entrée est appliqué à la base et le signal de sortie, il est prélevé de l'émetteur du transistor BC550. Donc, entrée par la base, sortie par l'émetteur, donc le collecteur, il est en commun entre la masse, entre l'entrée et la sortie. Bien sûr, j'ai placé ici un condensateur en parallèle avec la résistance LC pour la court-circuité en dynamique. Maintenant, pour le choix des deux condensateurs de liaison, ces deux condensateurs. Donc, comme pour l'émetteur, le montage émetteur commun, il faut que 1 sur C oméga tend vers 0, c'est-à-dire 1 sur C fois 2 pi F tend vers 0. Pour F égal à 1 kg, donc il faut choisir un C très important. Pour ce condensateur, il faut qu'il court-circuite cette résistance en dynamique, c'est-à-dire 1 sur C fois 2 pi F doit être très inférieur devant 1,5 kg. Bon, pour cet exemple, nous avons pris la même valeur des condensateurs. Donc, nous allons visualiser les deux signaux d'entrée et de sortie et voir est-ce que nous allons trouver ce que nous avons appris en théorie. Donc, je visualise les deux signaux. Donc, le signal d'entrée et de sortie. Donc, premièrement, je visualise ici le signal d'entrée. Donc, il est sur un calibre de 5 millivolts par division. Donc, 2 fois 5, c'est 10 millivolts. C'est ce que j'ai imposé à ce que j'ai prélevé du générateur de fonction. D'accord? Maintenant, je vais mettre l'entrée à 0, c'est-à-dire au GND, et je vais mettre le CH2 sur AC. Donc, je trouve le signal de sortie, d'accord? Donc, d'amplitude, toujours deux carreaux, 2 fois 5, c'est-à-dire 10 millivolts crête à crête. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que VE égale à VS, et par conséquent, le gain en tension, qui est égal à VS divisé par VE, il est égal à 1. Donc maintenant, je visualise les deux en même temps. Donc, je vois clairement qu'ils ont la même amplitude et en même temps qu'ils sont en phase. Maintenant, si je veux réaliser le troisième montage qui est le montage amplificateur basse commune, je dois injecter le signal d'entrée à l'émetteur et le signal de sortie, je vais le prélever du collecteur et par conséquent, la base, elle sera commune entre l'entrée et la sortie. Pour cela, donc je vais enlever cette connexion.
La même chose ici, je vais enlever cette connexion. Je vais enlever cette connexion et en même temps cette connexion. Donc, je vais faire une liaison de ce condensateur avec comme ça et le signal d'entrée. Je vais l'appliquer au niveau de l'émetteur. Comme ça. Donc, entrée par l'émetteur, sortie par le collecteur. Maintenant, je dois court-circuiter la résistance RB, c'est-à-dire en dynamique, bien sûr, RB1 en parallèle avec RB2 par un condensateur. Comme ça. Et j'ai gardé, bien sûr, donc j'ai besoin d'une autre place. Là, je la place ici. Bien sûr, de valeur qui était égale. Mais, théoriquement, si je veux calculer correctement la valeur, de choisir une valeur correcte, donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut que 1 sur C oméga ou oméga égale 2 pi fois F doit être très inférieur devant 10 kilos en parallèle avec 36,36 kΩ pour court-circuiter la ressource RB en dynamique. Donc je vais visualiser les deux signaux d'entrée et de sortie. Donc je vais mettre, donc premièrement je visualise le signal d'entrée, donc je dois actionner le logiciel électronique Workbench. Donc ça, c'est le signal d'entrée. Maintenant, le signal de sortie. Donc je vais mettre l'entrée à la masse. Et je vais mettre le CH2, c'est-à-dire la sortie, en position AC. Donc le signal, regardez, il est de très grande valeur. Donc je dois augmenter le carré pour le visualiser. D'accord. Donc la même chose ici. Le signal de sortie a une amplitude, disons que c'est 1, 2, 3, 4,4 fois 200, ça va donner à peu près 900 millivolts crête à crête. Le signal d'entrée a une amplitude de 10 millivolts crête à crête, donc on va se trouver avec un gain à peu près égal à 900 divisé par 10, c'est-à-dire 90. Donc, un gain différent de 1, un gain important, un gain en tension important et un déphasage qui est égal à 0. D'accord? À peu près égal à 0 pour la fréquence qui que nous avons choisie, c'est-à-dire 1 kHz. À la prochaine vidéo, salam.